Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 10. C'est parti! Donc aujourd'hui, je vous reprends. Il est 10h31 exactement. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. J'ai été très tranquille ce matin. J'ai dormi autant que je voulais dormir. Je me suis pas pressée. Là, je vais faire mon montage pour ce soir. Et selon l'heure qui sera, je verrai ce que je fais en fait aujourd'hui. J'ai aussi un article à écrire aujourd'hui et à faire les photos pour l'article. Donc, on va voir. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Si je peux faire autre chose, je ferai autre chose. Si j'ai pas le temps, bah j'ai pas le temps. Je vais voir. Ce soir, faudra que je démoule, enfin que j'essaye de démouler les époxys. Mais avant toute chose, je vais mettre du baume à lèvres sur mes lèvres parce qu'elles sont gercées, elles me font très mal. Donc c'est parti pour démarrer cette journée. Bon, on se retrouve dans la salle de bain, il est 15h35. Je n'avais pas du tout prévu de faire ça aujourd'hui parce que je comptais aller à faire mes achats de Noël cet après-midi. J'ai écrit l'article pour samedi qui m'a pris énormément de temps. J'ai bossé quasi 2 heures dessus. Franchement, hallucinant. Je pensais pas que j'allais mettre autant de temps, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'étais dans mon délire et j'ai tout fait bien, la mise en page, etc. Donc j'étais au taquet, j'ai même pas vu l'heure passer en fait, enfin les 2 heures passer. Mais quand j'ai réalisé, je me suis dit ah bon bah tant pis. Parce que je suis même pas habillée, donc je peux même pas me dire bah c'est bon, je peux y aller direct. Le temps que je me prépare, que je m'habille, que machin. Je préfère en gros y aller demain toute la journée, faire ça vraiment tout ça toute la journée. Partir le matin tôt et revenir le soir tard. Au moins je suis tranquille. Même si Nam finit tôt demain, il finit à 17h, mais comme il... Le temps qu'il arrive, il sera 18h. S'il amène Amour en plus au vétérinaire, bah du coup, il va arriver encore plus tard. Enfin bref, voilà. Ceux qui veulent des nouvelles d'Amour, d'ailleurs, ça va. On ne sait pas si c'est pas parce qu'elle se bat avec le chat qui vient tout le temps manger chez nous, qui n'est pas à nous, mais qu'on lui donne quand même à manger, qui est dans le jardin. On ne sait pas si c'est à cause de lui ou pas qu'elle est comme ça. Parce que c'est dès qu'elle se bat avec lui qu'après elle est exécrable. Donc ça déjà bon c'est normal parce qu'elle est encore sur le coup de l'énervement. Et elle me montre son mécontentement qu'il soit dans le jardin. Mais ce qui est bizarre c'est que des fois selon où on la touche elle a mal quand même. Donc si on la caresse au niveau de l'arrière-train elle a, y a des moments où justement elle souffle et elle râle beaucoup. Donc on sait pas si c'est ça, après on s'est peut-être dit que c'était peut-être des vers parce que ça fait longtemps qu'on lui a pas donné le vermifuge. Donc c'est peut-être ça, enfin longtemps. On pense qu'on a dépassé un peu le délai et c'est peut-être pour ça qu'elle serait dans cet état. Franchement on en a aucune idée, donc on va voir comment elle est aujourd'hui, comment elle est demain. Mais moi je serais plus soulagée qu'il l'amène chez le vétérinaire, surtout qu'on doit aller chercher la tortue. Je vous expliquerai quand on l'aura récupérée, mais on est censé aller chercher la tortue aussi. Qui était chez le véto. Bref, j'arrête de blablater de tout ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vais ranger la totalité de mon meuble de salle de bain. Je vais tout ranger. Donc, je vais faire ça avec vous. Parce qu'il faut que vous voyez l'état. C'est terrible. Je vous montre. Donc, déjà, là, c'est le bordel. On est d'accord. Voilà. Là, ça va à peu près. Même si c'est pas bien rangé, mais disons qu'on y voit à peu près clair. Là, c'est celui de Nam. Mais normalement, il a pas trop... Il n'a pas trop enlevé ce que j'avais fait déjà une première fois. Et voilà la catastrophe. C'est plein à craquer. Sauf que du coup, je ne sais plus ce que j'ai, ce que j'ai pas, ce qu'il faut que je rachète, ce qu'il faut que je rachète pas. Enfin, vous avez compris quoi. Donc c'est une catastrophe. Donc je vais m'occuper de ça maintenant. Je vais tout faire de fond en comble. Je vais aller chercher le produit pour nettoyer. Je vais aller chercher une bouteille d'eau. Et je vais mettre une vidéo YouTube en même temps. Thank you.
Ça y est, j'ai fini. Du coup, ça donne ça. C'est quand même bien mieux rangé, même s'il y a encore beaucoup de choses dessus. C'est ce que l'on utilise tous les jours, donc on peut pas non plus trop les ranger, mais au moins c'est beaucoup mieux rangé et beaucoup plus facile d'accès pour tout. Donc c'est trop bien, c'est beaucoup moins embrouillé et c'est tout rangé logiquement. Donc c'est trop bien. Je suis très contente de moi. Et ça m'a pris longtemps parce qu'il est 17h21. Du coup, j'ai dû mettre un peu plus d'une heure, je pense. Mais au moins, c'est fait parce que j'avais envie de le faire depuis tellement de temps, si vous saviez. Au moins, c'est fait. Et on repart sur de bonnes bases. Trop génial. Bon, je vous retrouve plus tard dans la journée, même beaucoup plus tard. J'ai un cheveu. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, du coup, il est 18h39. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter le vlog de demain pour que je sois tranquille demain et que je puisse aller faire les magasins comme je veux. Du coup, je vais faire ça maintenant. Au moins, c'est fait. J'ai un coup de griffe. Ah, mais j'ai pas fait ça. Alors, c'est une catastrophe parce que l'époxy, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi le plateau n'était pas droit. En fait, vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez pas voir. Vous allez voir quand je vais l'enlever. Bon, après, il faut que je lime, hein, de toute façon. Mais en fait, le problème... Après, ça fait pas moche. Hein, et ça se voit pas tant. Une fois limé, je pense que ça se verra plus. Mais en fait... Donc, c'est super bien resté, par contre. Mais... Je sais pas si vous verrez. Là, c'est plus épais que là. En fait, je sais pas, ça... Ça a dû sécher comme ça, en fait. Donc, faut que je lime bien. Mais écoutez, niveau résultat, quand même, c'est pas mal. Donc, faut vraiment, par contre, que je trouve le vernis. Parce que du coup, en limant, je vais enlever certainement un peu de brillance. Il faudra bien que je la retrouve. Donc, on va essayer de regarder ça. J'ai bousillé le plateau, quoi. On va essayer ça. Et ça, c'est pareil, hein, du coup. Hein, ça s'est mis, vous voyez, ça s'est déplacé. J'ai le truc qui est là. Ça, du coup, je pense que quand je vais limer, ça va s'en aller, quoi. Du coup, c'est très fin. Alors, c'est super joli, hein. Bon, il faut que je lime un petit peu. Pas beaucoup d'imperfections, donc ça va. Mais c'est super. Bon, après, c'est pas tant fait pour se peigner, je pense. Hein, là, mais... Je vais le laisser, de toute façon, sur le plateau, là, qui continue un petit peu à sécher, parce qu'il est un peu mou. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il est fin ou si c'est parce que il a pas totalement durci. Celui-là, il est bien resté aussi. Hein. Faut juste que je lime le haut. Enfin, il y a un bout que j'ai réussi à enlever, là. Du coup, faudra juste que je lime ça, et franchement, il est bien resté. Faut juste que je lime un peu le dessus parce qu'il y a des petites imperfections. Bon, sans regarder les tours qu'il va falloir limer, c'est super bien resté, quoi.
Moi j'adore. C'est très joli. Oh merde! Ça par contre c'est con. J'ai mis le noir du côté où il y avait écrit light side et le blanc du côté du dark side. Dommage. Du coup va falloir que je lime tout ça maintenant. Mais par contre je suis contente parce que là du coup ça fait 24 heures et c'est déjà sec. Bon faut que je lui perce l'œil parce que j'avais un peu trop mis de produit, je sais pas si vous vous rappelez. Mais franchement, c'est canon. Franchement je suis trop contente. Bon, là, dans tous les cas, je vais m'occuper du montage. En attendant que Nam rentre du travail. Et de toute façon, ce soir, on fera du coup le calendrier de l'Avent. Et voilà. On va rester comme ça. Mmh. On est bien comme ça. Coucou. Bah, je commence par le Kinder. Non, c'est toi qui commence. Non, vas-y, commence. Non, tu commences. Non. Allez, c'est bon, c'est trop tard, t'as dit que tu commences, tu commences. Putain, pourquoi j'ai dit ça? On l'a ouvert le 10 hier. Mais c'est aujourd'hui le 10. Ah oui. C'est des conneries. Il me les a volés des mains, quoi. J'ai même pas le droit d'en manger un. Ça va, tu manges tout le reste? Déjà, tu mytho, parce que les Kinder Bueno, tu les bouffes avec moi. Non. Et je t'ai proposé les Kinder Mini. Oh non, mais Kinder Maxi Mini, c'est bon, j'en ai arraché, bon, j'en ai marre. Ouais, bah c'est bon, tu peux m'en offrir un. C'est vraiment pas sympa. Ouais, peut-être, on verra. Si je suis... Non, mais dites-lui, vous, en commentaire, là. Ah, putain, elle m'a demandé un... Un verbeine. Enfin. Ça, c'est un thé pour moi. Non, c'est pour tous les deux. C'est un thé pour moi. Le cache-pistache. Alors, thé noir. Oh, là je vais les garder jusqu'à être sûre d'avoir le goût. C'est quoi? Caramel beurre salé. Tu m'étonnes. Oh là là, je savais pas qu'ils faisaient des thés comme ça. Oh, c'est terrible ce qui se produit là. C'est moi qui suis aveugle ou... Ah, il est là. Oui, t'es aveugle. Bah, je m'attendais pas à ce que ça soit. J'ai ouvert. Camomille. Oui, c'est bon. Bah, c'est tout verveine, hein. C'est tout. Toute infusion ce soir. J'en ai tellement marre de celui-là, je vous jure. Il ne le prendra plus. Non, si, parce qu'il est grave bien. C'est une lime à ongles. Tout paillette. Toujours... T'as vu tousser, tu saoules. Je sais pas pourquoi. Je... Oh. C'est un dé. On dirait un dé du shit, ouais. C'est toi le shit. Je sais pas ce que c'est. Non, mais c'est bien la jaspe brescia. Ça ressemble plus à ça. Ah, Jules Verne. C'est le tour du monde en 80 jours et le voyage au centre de la Terre. Il est trop beau, quoi. J'aime trop. C'est comme la collection de... Comment... C'était quoi le premier que tu m'as donné? Le Comte de Monte Cristo. C'est la même collection. J'adore. Peut-être t'as trouvé ça à sauce traîne. Non? Action. Oh, j'aime bien. Au moins t'as trois sortes de couleurs de feuilles et de types de feuilles. Ouais. Moi j'ai trouvé action. C'est pas mal. J'ai bien. Ouais. Bon, du coup, je vais vous laisser là pour ce petit vlog, enfin ce gros vlog, je pense. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Ciao, ciao.